Hop, voilà, c'est fait. La petite pause VOD, c'est. Ça, je coupe les VOD et hop, je reprends. Salut Jason, ça va? Jason. Jean-Jason, putain, je vais te respecter. Non, je déconne. Ça va? Quoi de beau? Tu vas manger dans ta gueule! Voilà, toi, tu sors. T'es pas invité. Ouais, courir! Attends. Non, je veux voir le raccourci de l'autre côté du pont. Merde! Ah, oh, teubé sur 20! Comment je peux rattraper le coup? Eh ben, ça va, pépère. 12 heures de live, ça se passe. Je commence à faire un peu de la merde parfois, mais sinon, ça va bien. Vas-y, tu. Putain, mais t'es teubé de ouf en fait, comme sort. J'aurais jamais cru ça possible, mais t'es complètement teubé. Les Mongols se sortent. Bien, t'as touché lui. Asie. Pourquoi t'es con, le sort? Joue sur PC, oui, il y a beaucoup de trucs. Là, je suis sur Xbox One pour ce jeu parce que je l'ai pas sur PC. Du fait que mon PC soit pas hyper performant non plus. Même s'il fait tourner pas mal de trucs correctement et il n'a pas à rougir de ses performances sur certains jeux. Mais celui-là, non, c'est sur Xbox One. Un défi à te donner. Si tu veux des défis, tiens, ah, si tu t'ennuies, tiens, je peux te conseiller un streamer qui fait des VOD. Il fait des challenge runs de ouf. Je te conseille Lobos Junior. Je sais pas si tu connais. C'est quand même un gros streamer Dark Souls. Toi, tu sors. Mais il fait pas mal de challenge runs et c'est assez sympa. Donc, si tu connais pas, je t'invite au moins à jeter un oeil sur sa chaîne YouTube à tout ce qu'il a fait comme run et essaie de les refaire du coup dans l'idée. Ça devrait t'occuper un peu. Il y en a quelques-unes qui devraient bien t'occuper. Et c'est aussi sympa. Il est sympa à regarder. C'est un américain. C'est Lobos Junior. Donc Lobos comme loup en espagnol et JR pour Junior. JR en majuscule. Le jeu sans évoluer, ça s'appelle une run level 1 Carlos. C'est super facile. Voilà. Donc désolé. C'est gentil d'avoir participé, mais en fait, c'est easy de ouf que tu lui demandes. Enfin, à mon avis, à son niveau, c'est ouf. Il a fait quoi? Mais il fait des runs, genre, il a fait. Je crois qu'il l'a pas fait sur Dark Souls 3, je crois qu'il a fait que sur le 1. Il a fait une run miracle uniquement. Donc, t'as le droit que à des miracles pour te défendre quand t'as un miracle offensif. Avant, il a fait autre chose. Il a fait magie uniquement, donc t'as droit qu'aux magies pour te battre, même pas aux compétences des bâtons, t'as droit que à la magie pure et dure. Il a fait pyromancie uniquement, il est en train de le faire. Il a fait quoi? Pas de course, pas de roulade. Il a fait le jeu uniquement avec les capacités d'armes. Il a fait quoi? Putain. Il a fait le jeu que avec des consommables. Dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'au début du jeu, c'est quand même très très difficile. Mais sinon, il a fait quasiment qu'avec des consommables. Putain, il en a fait tellement des runs, quoi. Pouf! Mon eau minérale préférée. Avant, je voyais la cristalline. Mais depuis que j'ai goûté ça chez ma copine, quand je vais chez elle, c'est la bâtie. Franchement, elle est vraiment super sympa, je trouve. Je dirais limite qu'elle a un bon goût en fait, c'est ça que je trouve ouf pour de l'eau minérale. Un défi où t'es pas obligé de recommencer. Bah, si t'es pas obligé de recommencer, tu peux très bien te mettre à. Tu peux très bien essayer maintenant, vu que t'as tous les sorts et tout, tu pars qu'avec un certain stuff et basta quoi. Un run. Ah, la louche elle y est pas dans celui-là, Masaki. Elle est que dans Dark Souls 2, la louche. Qu'est-ce que tu pourrais faire?
qu'est-ce que tu pourrais faire? Eh ben, tu pourrais faire. Je trouve un truc créatif, mais c'est chaud. Tu pourrais faire quoi? La flemme de passer à NG. Ah ouais, bah oui, j'ai une méthode. Mais t'aurais quoi? C'est beaucoup de trucs au final de dispo, donc. Non, le compétence d'armes, c'est pas. T'es obligé de commencer, hein. Déjà, juste faire les boss qui te restent à faire si t'en as pour essayer le truc, c'est déjà pas mal, hein. Ah, tu peux. Qui? Arrête de me montrer le roi sans nom. Désolé. C'est la zone qui veut ça, c'est pas moi. Dans le bois de la base. T'es con. Tu pourrais faire. Merde, j'avais mis en tête ce que c'est. Ah, un truc qui demandait pas de recommencer le jeu. Non, c'est pas sans roulade. Ça reviendra. T'as fait tous les boss. Eh bien écoute Carlos, merci d'être passé. À plus tard peut-être, j'espère. Et puis voilà. Donc, si tu vas gamer, bonne game, amuse-toi bien. Si tu vas faire autre chose, bonne chose, amuse-toi bien. Si tu vas te coucher, bonne nuit, amuse-toi bien. Dors bien, pardon. Ah merde, j'avais une idée de challenge qui demandait pas de recommencer le jeu, putain, je sais ce que c'est. Je l'ai perdu. Personne dans la nuit, d'accord. Tu fais ce que tu veux, tu sais que tu es libre. Et si ce stream est très très libre, tu t'embêtes pas à te justifier. Bah écoute, si je trouve une idée de challenge, je te la donne, hein, bien sûr. Bon, alors toi par contre, tu m'as saoulé. La caméra cancer! Mais ici. Il peut passer, putain. La roulade, s'il vous plaît, quoi. Une blague? Voilà, merci, comme ça tu te calmes. Un tout petit, va jusqu'au roi sans nom. C'est ça? Tiens, ma compagne, roulade simulateur. Oui, c'est ça! Putain, merci, John. Tu te bats que avec les roulades de l'armure d'épine. Tu t'équipes full armure épine, il a fait une run. Laisse-moi venir. Ah, plus tard, plus tard. Mais ouais! Tu te bats que avec les roulades du set d'épines. C'est marrant ça. Il a fait tout le jeu comme ça aussi. Qu'est-ce que c'est? D'où? Pourquoi? D'où elle sort? Comment ça, il y a un accès ici? C''est une blague? Oh putain! La compte-toi! Oh la compte-toi! Oh putain! Je sais pas comment j'y survive, hein. Qu'on se le dise, j'ai du cul. Oh putain, 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 putain. C'était chaud. Excusez-moi, je viens de sauver ma vie. What the fuck? Oh là 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 là. Ah, le boss est un champion. Le boss, c'est mon maître à penser de Dark Souls. Le mec, il a tellement tout saigné, quoi. En ce moment, il fait quoi sur Dark Souls 1? Il fait une run All Bosses, je crois. 1 HP, 1 Stamina. Donc le mec, il a qu'un point de vie, qu'un point de stamina. C'est tout. J'ai regardé ça, je suis en train de regarder ça, je fais. Eh, le mec, il peut pas courir, il peut même pas faire de roulade. Même pas une seule, il peut pas faire de saut en arrière, je crois. Il peut juste marcher, pour éviter les attaques.
Et son seul moyen de se battre, le plus utile, c'est la magie. Tu fais. Ah, mais c'est pas un souci, ça, Vixionic, hein. C'est pas parce que t'es pas un pro que j'ai pas envie de jouer avec toi. Hein. C'est pas ça le problème. Hein. Et moi non plus, je suis pas un pro du tout, au contraire. Hein. Non, c'est juste que là, je suis mon petit stream pépère de 24 heures. Si je me fais envahir. Si ta marque passe comme ça. Attends, je vais me concentrer 2 secondes. Faut éviter de mourir. Et après, je vais parler. Voilà. Oh, vraiment? T'as cru que t'allais me soulever? Ah, la gargouille, la gamine, quoi. J'ai plus. Voilà, heureusement que ça fait beaucoup de dégâts, bordel. Ça se voit. Oh non, mais. Je sais bien que c'est pas méchant, hein. De toute façon, ça me gêne pas. Je sais très bien que. Déjà, parce que je fais aucun pari, parce que je suis très nul. À part sur le 1, où je connais correctement les timings pour le faire. Sur les autres, j'y arrive pas. Je suis très mauvais. Pour ça, et. Parce que oui, je connais pas. Tout, cherche pas spécialement à retenir le jeu en fait, cherche pas à l'apprendre plus que ça. J'en connais assez pour le finir, ça me suffit. Moi ça me fait vivre dans mon Dark Souls, non. Non, clairement non. C'est intéressant pour tout ce qui est magie, tout ce que tu veux, d'accord, c'est fun. Mais moi je pense aussi au côté de devenir une carcasse et devenir un être décérébré qui tue parce qu'il est complètement fou, moi ça m'intéresse pas. Le monde de Mass Effect, carrément. Parce que putain, la conquête spatiale, la biotique et tout, c'est merveilleux. Et le monde de Dark Souls, non. Après. Parce que dans Dark Souls, il n'y a pas. Même Bloodborne non plus. Parce qu'il y a des espèces de mutations par rapport au sang, donc ça m'a. Non. C'est mort. Putain, tout ce que j'ai en stock, nom de Dieu. Donc c'est non. Mais. Non, je vais le garder si j'ai besoin, je vais garder. Mais non, la transformation, le monde de No Man's Sky. Plus déjà, tu vois. Parce que tu sais pas ce que tu peux croiser, mais. Je perds l'intérêt du jeu quand j'en connais trop. Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça que Dark Souls, j'aime bien, parce que tu peux recommencer, essayer plein de trucs. C'est pour ça que je trouve le jeu intéressant. Mass Effect. Dans SAO. SAO, enfin. SAO, non. ALO peut-être, mais SAO, non, parce que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie, ça ne m'intéresse pas des masses, mais. Mais dans l'idée, ouais. Ça, je dis oui. Fais ce que tu veux de ta vie. Tu te bats comme tu veux, mais SAO, ouais. Un peu plus déjà, tu vois, je suis plus chaud. Bon. 4 niveaux. Bah les dégâts. Hein. Voilà. Ah, World of Warcraft. Ouais, voilà. Alfheim Online, oui, d'accord. Parce que tu meurs, c'est pas grave. Tu perds un peu de skill et tout, voilà. Mais SAO pur et dur, non, 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 non. Je tiens à la vie. Arrêtez tout, je tiens à la vie. Dragon Ball. Ah, bah disons que si t'as pas de bol à la loterie et que t'es pas un Saiyan, tu t'emmerdes hein, quand même. Hein. Regarde Krillin, il est gentil Krillin, hein, mais il se fait un peu péter les dents, quoi. Un peu beaucoup même, hein, donc. Non, 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 DBZ non plus. Non, SAO, c'est bien SAO, c'est un bon choix, effectivement. À quoi je pensais? Libérer Karlan, je sais pas encore, c'est par là que je vais pouvoir le faire. Yamcha, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai vu DBZ, d'ailleurs le jeu de Ken Battle m'a donné grave envie de tout revoir. Même si j'ai pas, il faut que je trouve un site pour le regarder en stream. En streaming plutôt. Yamcha a résisté à. Putain, à Sangoku Super Saiyan. Super Saiyan Divin, Super Saiyan, sérieux? Putain, la violence de Yamcha quoi. Ou Krillin. Peut-être Krillin, ouais. On en parle depuis quelques temps qu'il va revenir en mode OP de ouf depuis l'épisode 42, je crois, de Super.
Déjà, j'aimerais vous faire Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Super. Le streaming est revenu en France, c'est-à-dire. Regarder des films et séries en streaming, c'est pas apprécié, disons, par les comités autorisés qui s'autorisent. Tu m'as déboîté la gueule. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que je time mal mes attaques, moi. Encore plus mes esquives. Allô ? Oui, alors. Voilà, ça m'intéresse. Non! Oui! Gum Gum Streaming. Ah, ça c'est cool, merci. Ça je note, ça m'intéresse. Pour voir un film, faut soit acheter le DVD, t'as aussi sinon les services de vidéo à la demande, comme les films en rediff que tu peux louer pendant un temps. Genre sur les chaînes de télé qui proposent un service de VOD, ça c'est légal, mais le streaming pas payant entre guillemets, c'est très mal vu. Mais ici bâtard, c'est ça l'idée surtout. À Netflix y'a de tout, hein. T'as du nouveau, de l'ancien, t'as de tout sur Netflix, ça qui est bien. Et puis c'est souvent mis à jour, donc c'est encore mieux. N'échappe pas au crachat de cailloux. Meurs, créature de l'enfer. Ou lézard qui brille, je sais pas. Non, Yorn, c'est bon, j'ai la technique. En plus, je vais avoir Sigvard avec moi. Et je vais avoir mettre des tempêtes, donc ça va aller en 2-2. Hein. Là, en 3 minutes, Yorn, c'est tombé. Yorn, c'est vraiment le plus simple de tous. Hein. Quant à la strat avec l'épée des tempêtes, c'est réglé. Sinon, c'est long. Il a fait... le boss l'a tué en NG plus 7 avec les points... uniquement en lui mettant des coups de poing dans les pieds uniquement. Ce mec est un malade, hein. Il l'a fait et c'est là que tu respectes encore plus le type. Parce que putain, se farcir ça, faut en vouloir, hein. Non, va-t'en le mob, tu ne m'intéresses pas, merci, dégage. Du coup, vous craignez le saignement, hein. Bon, en fait, j'ai pas besoin du stuff qu'il y a là. Hein. C'est mon PC qui est en... proche de la PLS. Hein. Il est proche de l'arrêt cardiaque, mon PC. C'est incroyable. Mais d'où tu m'entends? Sérieusement? Ce mob qui n'a pas de vie. Tu marches, le type il te saute dessus, tu fais oh, ça va bien, oui. Il est où? Il est là-bas, oui. Il m'a senti, ça va, je suis pas non plus. Lance d'âme, j'en étais sûr. Tomber à court de magie pendant le combat de mage, c'est une mauvaise idée. Putain, la vieille masse d'âme pourrie qui t'interrompt, c'est ouf. Ah non, pas le marteau. Bon. Voilà. C'est pas dur. Voilà. J'ai les clés des cellules. Oui.
Les morts ne comptent pas. C'est pas faux, putain. Merde, surtout après l'espèce de boue moisie, là. Merde, en fait, ouais, c'est legit. Une tablette titanite. Tu es un ange. Merci beaucoup à toi. Ah, non. Il y a une vieille promesse. Ah, on va pouvoir récupérer aussi la pyromancie flamme profanée. Ça, c'est bien. Je sais pas si je m'en servirai. Peut-être quand j'aurai un emplacement de plus. Parce que c'est très rigolo comme pyromancie, j'aime bien, moi. Ah, la quête de Katarina dans DS3, ouais, elle est assez longue. Hein. Alors, du coup... Ça dégage! Oh putain! Il mousse, faut que t'arrêtes avec ces vannes! Hein. C'est plus possible! Hein. Faut que t'en parles à ta meuf! Hein. Ça va être invivable pour toi dans ta tête à force! Alors les rats. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais... Ah, peut-être que... Déjà, ça va en calmer 2-3. Merde, raté. Touché. Alors, pas faire le con. Prendre l'aggro. Foutre le camp. Cracher des cailloux, voilà. Merde. Alors ça passe plutôt facile. Vas-y, Vicky Sonic, pardon, du pire, j'ai Vicky Sonic, mais c'est Vicky Sonic. Je t'écoute. Enfin, je te lis. Hello Julianus. Eh ben, ça va bien. Toujours en game. Viens pour Aldric. Parce que Yann, c'est vraiment super facile, donc ce serait du gâchis de te faire venir pour un combo aussi simple. Viens pour Aldric. Retourne poser une marque au niveau du pontif. On va traverser un Orlando ensemble et faire Aldric si tu veux. Comme ça, on a quand même un boss intéressant, on a quand même une zone un peu chiante à faire et tout. Il y a un peu de défi. Le meilleur crasheur de mes yeux de quetch du monde de Dark Souls. C'est ça. Enfin. Ouais, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un combat intéressant. Yorm, c'est pas intéressant. Yorm, tu prends l'épée, t'arrives, tu le défonces, tu fais salut. Voilà. Gros combat, j'ai pas dû te faire venir pour ça, quoi. C'est nul à chier. Ouais. Replace une marque après Sullivan, je finis Yorm et j'arrive. Comme ça, hop. C'est cool. Du coup, oui, il faut que j'aille libérer Carla. C'est quoi le plus court pour y aller? Ça va être par là, ouais. Faut que je DPS comme un ouf, il faudrait vraiment un arc. T'es morte de chute. Si tu meurs contre Yorn, tu me payes combien? Je te paye 0 parce que je t'ai rien demandé de 1. Et mourir contre Yorn, pour vraiment faire exprès. Donc ça devrait normalement pas arriver, hein. Faut pas déconner non plus. Je veux bien être fatigué, mais battre un boss quand t'as une arme cheat pour ce boss, quand même. Hein, faut pas trop... voilà. Oh putain, j'espère que le gif va me faire tomber. Non, c'est à Yorn, je crois que c'est une fois que tu as la technique, c'est impossible de voir contre Yorn, je crois. Enfin, je vois pas comment. Mais non, Yorn, c'est easy peasy, quoi. T'arrives, tu prends l'épée, tu te retournes, tu lui mets des attaques spéciales et il est mort, quoi. Surtout là, en plus, je vais avoir Sigvard avec moi, on va être deux à le DPS comme des porcs. C'est même pas la peine, quoi. Limite, je pourrais laisser Sigvard se faire. Bon, j'ai peur qu'il meure parce qu'il est un peu con-con, mais... Le PNJ tout seul, il pourrait y arriver, quoi.
Mais la mécanique est bonne, j'aime bien. Et one shot, ouais, il faut qu'il touche. Forcément qu'il te one shot un G plus 7. Tu peux pas. On peut pas streamer en 720p? Si, on peut, c'est juste que ma connexion ne me permet pas. C'est tout. La vraie limitation, c'est ma connexion. Ouais, j'ai trouvé une armure qui convenait mieux dans mes défenses, donc je me suis dit, eh ben go. On va se servir de ça maintenant. Donc, de toute façon, un G+7, 3 quarts du jeu, tout one shot, hein, de toute façon. Ouh, l'Orion Draconique que j'ai pas vu arriver. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'énerver d'un coup, putain? Mais ils sont relous, hein. Déjà, ça calme tout le monde. Ou presque. Casse-toi. Ça met 2 minutes, les mobs, là. Ah, ces mobs, ils sont malaisants. La première fois que je les ai vus, j'ai pas compris. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette horreur? On dirait de gros bébés. Ouais, mais en difforme, horrible, enfin c'est vraiment... vraiment t'es pas bien quand tu les regardes. Ah ouais, ils sont montés par là, putain. Attends, là par contre je suis préparé, donc je vais essayer de prendre l'aggro. Je vais tout essayer de faire ça en fait. Ah non, c'est moi qui prends l'aggro quand même. Y'a pas à chier. Non, je connais pas cette vidéo malheureusement, je suis désolé. Ouais, je peux les tempo ici en fait, ce sera plus simple. Ah ouais, là niveau sort, j'ai. On dirait Zuckery. De quoi? Aïe! Ah, le nouveau sort là, je me sers souvent de celui-là. J'en ai 2-3 en stock. Je vais en avoir d'autres là qui vont arriver. Ça va être assez funky. J'ai plus de mana, putain. Ça c'est passé et ça aussi. Allez hop, salut. Ah oui, j'ai enlevé les liens, mais j'ai reçu le lien donc je jetterai un oeil. On dirait Skiri des gros bébés. Oh putain, c'est dur ça. Merde, faut que je les attire ailleurs comme les soldats. Tire ailleurs, bref. Fous le camp le mob. Comment je régénère le mana? Alors, naturellement, il ne se régénère pas. Il me faut soit les fioles bleues, donc les fioles d'astuce cendreux qui sont cachées par ma tête, mais que tu pourras voir dans mon... nulle part. Dans l'inventaire, voilà, ces fioles-là qui te redonnent du coup des points de PC qui correspondent au mana pour les jeteurs de sorts. Et sinon, il y a une bague qui te permet... Il y a une bague qui te permet également d'en régénérer quand tu mets un coup critique. Donc, soit un coup dans le dos, soit quand tu fais une contre-attaque sur un ennemi... Et que tu lui plantes ton épée dans le ventre, ou que tu lui mets un coup de masse, ou un truc comme ça. C'est un coup critique dont tu regagnes aussi. Ah, c'est chaud ça, Mimous. Proposer de l'aide. Et pour des euros, il en soit. Merci. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et enfin, un dernier moyen que je connaisse, en tout cas en dehors de la bague spéciale et de... Non, je la lis cheveux, putain, je suis con. Et de des fioles, t'as... Ouais, Mimous, appelle la police. Hein. Si t'as l'adresse, appelle la police. C'est pas parce que c'est anonyme que... Tu vas être emmerdé, hein.
T'appelles les flics et basta, hein. Tu t'emmerdes pas, ce genre de truc, t'interviens direct, hein, tu vois, je sais même pas. C'est un décérébré total, le type, et puis basta, hein, il mérite que la tôle et c'est tout. Mais du coup, ouais, Julianus, il y a ça, il y a les gemmes simples, du coup, qui sont des gemmes que tu peux mettre sur une arme ou un bouclier, qui te permettent de régénérer petit à petit ta magie, mais c'est un taux très très lent, donc c'est pas que c'est inefficace, mais vraiment, faut pas être pressé, quoi. Après, ça peut te sauver la mise, clairement, que ce soit contre d'autres joueurs ou en phase de PvE. Mais voilà, l'infusion simple de gemmes avec une gemme simple est le seul truc qui permet de récupérer de la mana passivement en fait. Voilà. Donc je voulais aller lichefeu moi. Le PC qui souffre, putain. h 30 de live, ok. Je pense que je vais vraiment le faire en moins de 24 heures, hein, ça va être easy peasy. Donc, déjà, 25. J'ai 4 emplacements. Ah oui, ils sont surpris, merde. C'est 30 le prochain palier. C'est trop long. 30, c'est trop long. Bon, je peux remplacer Flamme Noire éventuellement. Ah, je suis pas le seul follower comme ça. You're a witch, very well, so be careful, let it be. Le tome de pyromancie de Quidana. Quelana, le sable. Et gardien. Ooh, and I'm clean. Apprendre sur ces ténébreuses, voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse... Fouet de feu, c'est rigolo, mais c'est pas ouf. Et c'est orbe de feu noir qui m'intéresse surtout. 20-20, donc ça c'est bien. Et c'est méga puissant. Flamme noire, non, mais orbe de feu noir, ouais. Après, ça c'est sorcellerie, ouais. C'est ce que je pensais. Voilà! Du coup, expulsion, je l'aime bien, mais ça manque vraiment de range. On va remplacer expulsion par. Par orbe de feu noir. Oh, j'ai pas de taurine, c'est du cacolac. Y'a quoi dedans? C'est la compo. Sucre, cacao, stabilisant, machin, bref. Ah non, bah, le truc énergisant, ça me fait pas d'effet, donc, et puis je trouve ça dégueulasse en goût, donc j'en bois jamais. T'es caté pour ça, hein, Mimo, ça. Le truc énergisant que j'ai préparé pour après, c'est du thé glacé. Enfin, du thé genre iced tea, mais un truc un peu plus sain qui a plus goût de thé, du mighty, thé vert à la menthe. Voilà, pour vraiment tard dans la nuit parce que ça, c'est rafraîchissant et c'est quand même un peu tonifiant vu que c'est de la théine, donc ça fera largement l'affaire. Placer sort, ouais, ça je veux faire. Hop, voilà, le reste on va stocker. J'ai un fragment d'étus, on va s'en servir. Ça, j'ai plus besoin. Ah, 25, merde, je peux m'en servir de ça encore, tant pis. Voilà, ça c'est. Je tente de te dépêcher, STP. Tu m'entends rien du tout, sinon si tu prends un gros ban, point barre. Quand tu te détends, ça va venir. Hein. L'épée courte, je peux la vendre. Ça j'ai pas besoin. J'ai renforcé mon stuff aussi. Il serait temps que je m'en occupe un peu. C'est pas que j'ai 3000 morceaux de titanite, mais si. Ça m'intéresse pas, 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 ça m'intéresse pas.
Non, si, peut-être, on sait jamais. Non, si. Voilà. Ça, c'est bon. Et je m'en fous que t'aies dit step et tu me donnes pas d'ordre et puis c'est tout. Tu t'es pris pour qui, honnêtement? Voilà, hein, moi mon. Pourquoi y a pas Grérat? Je crois que Grérat est mort. C'est pas de la haine, je te dis juste que t'as pas donné d'ordre et point barre. C'est aussi simple que ça. Alors, 5, 6, voilà, ça c'est bien. Ah oui, c'est peut-être pour rigoler, mais non. Tu veux faire des blagues, tu les fais correctement. C'est tout. Je fais des non, je peux pas faire plus. Ok. Profaner. Oui, d'accord, je sais que tu vas pas t'en servir, mais s'il te plaît, certains quand même. Renforcer l'arme. Bien, 2 armes plus 6, c'est pas dégueu. Les fioles d'estus, 8-4. Oui, ça on apprécie beaucoup. Du coup, là, en termes de poussière d'os, il me reste les grandes archives et il me reste le château de l'Autriche, donc c'est bon, je suis dans les temps. Et niveau fragments, il m'en manque 3. Donc je pense que ça colle aussi, vu qu'il y a un Orlando que j'ai pas fait. Il doit y avoir grandes archives et l'Autriche aussi, donc ouais. Pour l'instant, j'ai rien raté. Au pire, je fais un retour en arrière parce que je donne toutes les fioles. Faire un bon gros 10-5 en répartition et puis basta. Ah, mais je t'en veux pas, hein, tu. Mais voilà. J'ai failli tomber comme une grosse merde. Je m'en serais extrêmement voulu de crever comme ça parce que c'est très con comme mort, mais tant pis. Bon, ça va, j'ai esquivé, mais. Les mecs qui s'arrêtent, genre c'est bon, je suis vivant. Ok. Bon, mais bisous, on n'en parle plus, ça va pas bien. Péter un câble les deux là. 1, 2, 3, la boule de feu. Voilà. 1, 2, 3. Oh putain. Je sais pas si avec l'anneau je peux quand même sauter tout en haut, je pense pas, donc je préfère éviter. Aouh, les dégâts gratuits, merci pour ça. Tout te relève pas en moins de 2 secondes, hein, s'il te plaît. Je suis embrasé, oui, merde. Je pense que je vais laisser tomber les mimiques qui traînent à côté, je vais rush Yorn et puis c'est tout. Parce que le stuff qu'il y a là-dedans, je m'en sers jamais de toute façon, et c'est pas que ce perso, je m'en servirai beaucoup plus. Donc ça va dégager très vite. Voilà. Tu m'en as pas une feuille d'estus par hasard? Non, bah tant pis. Donc là, on se déséquipe de tout ça, on n'a pas besoin. Logiquement, je devrais avoir Sigvard avec moi. Oui, j'ai Sigvard. Yorm, old friend. I, Seafert of the Knights of Katarina. Have come to uphold my promise. C'est ce que tu es trop clair. Voilà. Un perso sorcier mage. J'en ai déjà fait. J'en ai un sur le feu pour passer le temps. Et je compte en faire un en stream. Après le 24h. Bon, pas dans la foulée du 24h, bien sûr, mais dans les semaines qui arrivent. Dans les jours qui arrivent même, je. Si
tu connaissais pas ça. T'as fait le jeu 17 fois et tu connais pas ça. 13 fois par an, tu connais pas ça. Tu fais la quête de Sigvard et du coup, il t'aide dans un combat gratuit. Donc après, t'as juste plus qu'à DPS Yorm comme un sale porc et. Et il fait pareil puisqu'il a le même effet que toi. Ah, donc du coup, Yorm se fait cancériser de ouf. Voilà. Merde, mauvais timing. On va charger l'épée. Il y a une range max, mais. Eh bien, écoute, Mimousse, bon courage dans tes révisions. Pas de soucis. Je suis encore là pour un bout de temps. Peut-être pas tant que ça, en fait, vu que j'avance assez vite. Tourne la tête pour voir. Ouais, comme ça. Ouais, genre, il a attaqué mon coup. Il prend pas de dégâts, c'est une blague? Elle est buggée l'épée? Lol. C'est quoi cette connerie? Il a pris 3 coups sans prendre un seul point de dégâts. J'hallucine ou... Ah voilà, merci. Moi, bon, achève-le, Sylvain. Bon, finalement je l'achève moi. Voilà, c'était Yorm le géant, le second seigneur des cendres. Au revoir. Littéralement, prendre une dizaine de secondes. Non, un peu plus, mais. Dernier toast, tout ça, poète poète. Voilà. Allez, salut. Merci pour le GG, John, c'est gentil. Voilà, le boss le plus easy du monde. L'épée ne demande rien, elle se cale sur rien, on s'en balèque. Tout ce qui est efficace, c'est son coup spécial contre ce boss et contre les ennemis géants. Re Moonlight. Ça va? Toujours la forme? Moi oui. À l'aise. Non, ça et ça. Voilà. Hop. Ah, ce combat est tellement simple, putain. Ça devrait être interdit par la Convention de Genève d'être aussi facile. Devant Sullivan, enfin après, tu veux dire. Sinon, ah quoi, Marc, si peut-être que tu pourras passer, pose-le après sur l'ancienne place de duel. Ce sera plus simple. On est sûr de pouvoir se retrouver comme ça. Ah, oh, pas de soucis, Moonlight, aucun problème. Chacun est libre de passer, tout ça, hein, y a aucun problème là-dessus. Hein. Ça me gêne absolument pas. Quel mot de passe? Qu'est-ce que c'est? Hiruma42, merci de ton follow. Pourquoi ça s'est pas affiché? Attends, peut-être un problème de type ordinateural. TSR, si tu veux. Même sans mot de passe, tu poses ta marque et on s'en fout, je la trouverai. Il n'y a pas grand monde à cet endroit-là. Donc... Oh putain, est-ce qu'Opéreur est pas planté? Ah mais non, c'est la RAM. Comme je suis en excès de RAM, comme ma RAM est quasiment full pleine, il a du mal. Hein. Ah, le PC, il galère de ouf là. J'espère que je vais pas crash. Mon PC souffre, c'est normal. Ça va revenir. C'est bon? C'est bon, c'est reviendu. Oh la violence quoi. Ah le PC qui s'ouvre, j'avais pas pensé à ça, putain. Eh ben écoute John, TSR1, bah si tu veux. Oh putain, ça galère de ouf, c'est trop chiant. Bah écoute John, merci d'être passé, bon courage pour demain. Qu'est-ce que je suis envahir? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. Ah non, c'est peut-être le repeat que j'ai lancé pour l'herbe d'Iruma. Ouais, ça a du mal. Hein.
Maximilien, non. Alors, paramètres. Pouette, pouette, pouette. Pas de mot de passe. TSR1. Hop. Voilà. Ouais, ça a bugué de ouf. Comment ça se passe là? Ah, bah, tu vois là? Putain, c'est en train de planter de ouf mon PC. Il est en train de. Ragdoll quoi. Ouais, le chrono il galère de ouf. Est-ce que je vais pouvoir finir mon live moi? Je crois que mon PC va en plus sur 24 heures. Je vais devoir faire une pause de 15 minutes pour le reboot. Oui, on a enfin une image, putain, j'y croyais plus. Yo Vic. Allez, c'est parti. Ah, la RAM qui se vide pas là, je crois que ça. Péter un câble. Bon, ça va se calmer. Il va respirer un coup, ça va bien se passer. Et puis hop, mais là, ouais, il est grave en PLS. Hein. Le pire, c'est que j'ai peur que ça me foire le chrono en fait. C'est ça le vrai problème. Par où on passe? En plein milieu, oui. Ah oui, t'as pas le temps. D'accord. C'est du genre pressé. Ah donc ça, vous voyez, c'est un vrai sorcier. Pour peu que vous, pour ce que vous voyez peut-être sur le. Bon, écoutez, je fais des dégâts de merde, hein, mais. À deux, ça se passe. Voilà. Il faut que je récupère l'âme de grâce divine. Vite fait, histoire 2. Hop, petit jambes bousées, sérieusement. Ah oui, sur le géant. Je suis con. Ah, ça commence à être bien pas fluide du tout sur le stream. C'est un vrai bonheur, j'adore. J'adore quand ça pue la merde. Mon live. Très content. Bon, au pire, je ferai une pause d'un quart d'heure en attendant le reboot, mais ça me casse le. Ça me casse les couilles, quoi. Oh putain, j'ai des gros freeze et tout. Non, c'est pas normal, c'est bug de ouf, quoi. Bon, on tue ces mobs vite fait. J'AFK, je redémarre le PC et fuck le chrono, quoi. On fera au mieux, mais là, ça devient compliqué à gérer. Hein. Un esprit sombre, t'es sérieux maintenant? Oh là là, j'ai tout qui est en train de cracher. J'ai d'énormes D5, c'est n'importe quoi. Oh, ça frise de ouf, ouais, je sais bien, là je suis en PLS, mon PC il va exploser. Bon, je vais devoir lâcher le chat des yeux 2 minutes, je suis désolé. Il faut que je passe sur la télé où il n'y a pas de lag vu que le logiciel traite l'image. Parce que là en plus on s'est fait envahir, donc je vous raconte pas le merdier qui vient de tomber sur la gueule. Le mob est déjà mort. Ah bon? Moi je le vois vivant. C'est pas grave, je vais le finir. Oh, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, bah, je vais devoir couper le live le temps de redémarrer le PC parce que là, il est en train de souffrir toute sa vie, je crois. Donc, c'est insupportable et pour moi et pour vous. Donc, je vais couper le temps de relancer. Voilà, ça c'est bien, j'ai un nom que je voulais. Je me pose au feu. Je quitte pas le jeu pour autant. Hein. Il est encore là, lui? Oh, vas-y, casse-toi, mec. Putain.
Hey, comme je me suis fait envahir, je peux pas F4 tranquille quoi. Putain de merde. Bon, je quitte le chat des yeux, je fais au mieux. Allo la télé, si toi aussi tu pouvais marcher, ça me. Il faut que je passe sur un truc où j'ai pas de lag dans l'image parce que. En plus, j'ai 90 000 âmes, si FDP me tue, je vais vraiment péter un câble. Fait chier ça. Donc là actuellement je peux pas voir ce que vous marquez, je suis désolé, whisky je constate pour la modération et pour répondre aux gens parce que là je suis vraiment dans le mal. Surtout que j'ai un connard sur le dos en plus. Mais quelque chose à branler quoi. Il est où ce bâtard? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est les meubles qui me tirent dessus. Où il est passé? Mais tu crois que je te vois pas ou comment ça se passe? Merci! Oh, t'es parti, ça me fait plaisir. Oh putain! L'échelle de l'infini. Bon, c'est bon. Je peux remettre le chat. Ça s'est bien passé, il s'est tiré. Ok, les frises, c'est n'importe quoi. Ah non, il n'est pas vraiment parti. Oui, non, peut-être. Ah, s'il faut que je quitte le jeu, ça m'encule quand même. Hein. Ils sont deux, qu'est-ce qui se passe? La connexion a du mal. Je peux pas quitter. Bon, mais écoutez, je coupe la console de force. Tant pis. J'espère juste pas être mort sans m'en rendre compte à cause d'une D5 ou un truc de merde comme ça. Logiquement, non, hein, parce que c'est quand même relativement bien foutu. Et il faut que je coupe le live, je suis désolé. Ça reprend derrière, hein. Y a pas de problème, il faut que je redémarre mon PC parce que je suis vraiment en PLS. Donc coupure technique. Est-ce que je peux arrêter le chrono sans le perdre peut-être? Je sais pas. Pire, il y aura deux timers, hein, c'est pas grave, mais ça me casse les couilles. Je peux plus rien faire sur le PC, c'est n'importe quoi. Arrêter. Ah vas-y, je m'attendais pas à ça, putain, ça me casse les noirs. Je suis dans le dernier élan, quoi, c'est infernal. Ouais, je peux mettre sur pause le chrono, ça c'est bon. Ok, donc on a 12h54 de live, c'est parfait. Donc je coupe le flux de minutes, il faut, enfin plutôt 10 minutes, le temps que le PC reboot, parce que bah, ma RAM est surchargée, donc je peux plus rien faire. Et je relance dessus, donc le live n'est pas... je sais pas si vous m'entendez en fait. Bon, je vais essayer de passer par le portable pour voir un message. Enfin... Je sens des trucs pour être en communication avec vous parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe. La chaîne, ben, elle a bien, connard. Il n'y a pas de chuchotement actif. Ah, mais... Oui, non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Bah vidéo, bah suis, bah. On m'entend, on me voit. Bon bah du coup, je coupe le temps de redémarrer le PC. Parce que là je suis vraiment emmerdé, je peux plus rien faire, il est en train de me lâcher complet à cause de la RAM pourrie que je me farcie. Je relance de suite, une fois qu'il a redémarré, donc ne bougez pas, ça va revenir. Hein. Désolé pour cette coupure involontaire et bien merdique, mais là c'est vraiment le bordel, donc. Ne bougez pas, ça revient.
À tout de suite et merci pour votre compréhension des soucis techniques.